What's your problem? Cause I know it's hard sometimes. Maybe just give it some time. Hold on now, girl. We can solve them. If you'll just give me some time, I can open up your mind. If you let me, you can free your mind. Track record so clean, they couldn't wait to bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay, and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my imprint on her ass sheet. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. We should come, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my head to so. C'est pas mal. Si es posible.
Je voulais vous parler de ce dessin que j'ai reçu de la part d'une très 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 bonne amie à ma petite sœur qui fait des dessins un peu abstraits, on va dire, et j'ai tellement adoré ce dessin. Dans un tableau ce serait plus joli, mais pour l'instant je l'ai collé comme ça au niveau de mon bureau, mais je vais le mettre dans un cadre noir ou doré. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est juste magnifique. Elle le fait à la main et ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Certains diront c'est du gribouillage, mais je peux vous assurer que ça ne l'est pas du tout. C'est voilà, c'est de l'art. Elle a plein de modèles. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai son contact en barre d'infos si vous voulez passer des commandes. Elle peut même faire des trucs personnalisés, il n'y a pas de souci. Et vous mettez ça dans des cadres et vous mettez sur un mur de tableau comme celui-ci et je peux vous assurer que ce sera magnifique. Donc je voulais quand même vous en parler. Là je n'en ai qu'un, mais je vais commander une bonne dizaine pour mon mur de cadre. Et vous allez voir, une fois dans le tableau, il sera juste magnifique. Franchement, elle est trop douée. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que ça mérite quand même un peu de visibilité, quoi. Il est 8h du matin et je m'apprête à cuisiner, ouais, parce qu'en journée, j'aurai pas le temps, donc je m'apprête à faire des pâtes sans gluten avec un reste de bolognaise que je vais simplement mixer avec du concentré de tomates, quelques carottes, des poireaux, un peu défraîchis et des oignons pour que ça fasse quand même une sorte de sauce et on va manger ça aujourd'hui. Donc en fait, les pâtes, j'ai l'habitude de les prendre, c'est du riz et du maïs, c'est pas des pâtes de blé. Et en fait c'est sans gluten parce que je commence à avoir des problèmes avec le gluten tout le temps. Donc j'essaie au maximum de ne pas en consommer. Voilà, je raconte ma vie en plein 8h du matin. En vrai, je me suis levée avec une envie de pâte. Hein. Je vous jure, je me suis levée vraiment avec une envie de pâte. Voilà le résultat final. Donc j'ai fait des pâtes avec le reste de bolognaise. J'ai simplement rajouté un peu de sauce à l'intérieur. Et j'ai rajouté des sardines aussi parce que c'est très bon, hein, croyez-le ou non. Bolognaise, sardines, c'est très très bon. Et un peu de fromage du cheddar, quoi. Donc voilà, bon appétit à moi. Mmh.